Oh, ma petite, t'as perdu ton foulard. Voilà. Oh, merci, madame. Fais attention, chérie, à tes affaires. Ouf, maman, ce train, quand arrive-t-il? Il me tarde de partir. Sois patiente, il va arriver tout de suite. Et surtout, dans le train, reste près de moi. Il y aura beaucoup de monde et tu pourrais te perdre. Mais papa, mais combien de temps nous allons rester à la campagne? Ma chérie, je pense jusqu'à la fin de la guerre. Comment nous allons gagner notre vie? Qu'est-ce que nous ferons? Et papa, et maintenant que l'activité de l'entreprise s'est arrêtée, comment nous pourrons deviner la météo si la fumée ne sort plus de cheminée? Je sais à ce propos que tu nous avais raconté une histoire. Si la fumée allait vers Brescia, le lendemain il ferait beau. Par contre, quand la fumée allait vers Bergame, nous savions qu'il pleuvrait. Ne t'inquiète pas, ma petite. L'entreprise rouvrira. Toi, Joséphine, tu recommenceras à coudre le sac de jute. Et moi, à travailler le ciment. Soyez tranquille, tout va s'arranger. Nous reviendrons chez nous très tôt. Et l'entreprise sera encore plus florissante qu'auparavant. Quand elle ouvrit en 1857, elle offrit beaucoup de postes de travail aux habitants de Palazzolo. Tu sais, Cosette, que tes grands-parents aussi y travaillaient? Bien sûr, papa. Tu m'as raconté cette histoire plusieurs fois, mais tu ne m'as jamais dit qui avait ouvert l'entreprise. Une société française de la marque Lautrec. C'est grâce à eux que Palazzolo est devenu une des premières villes en Italie à produire les ciments. Un des patrons vint en Lombardie et découvra un gisement de pierre à Pilzone près du lac Tiséo. On commença donc à extraire les matériaux qui étaient transportés d'abord sur les fleuves et après sur les chemins de fer. Je t'assure que l'entreprise retournera bientôt fonctionner. Prends tes bagages, Cosette, s'il te plaît. Le train va arriver. Et combien le voyage va-t-il durer? Bon, ce sera un peu long. Tu sais, quand on arrivera au pont, il faudra descendre du train. Car nous ne pouvons pas les traverser parce qu'il est dangereux. Nous marcherons un petit peu dans la campagne et puis, après l'avoir franchi, on remontera dans le train.